Kylian Mbappé au Cameroun. Où est Samuel Eto'o fils? Quand on choisit la mauvaise côté, le karma nous réserve. Quand on choisit la mauvaise côté, le karma nous réserve le temps. Ce qui t'arrive aujourd'hui, Samuel Eto'o, c'est le karma. Celui que tu as soutenu hier, lorsque le Cameroun était en feu, et toujours en feu jusqu'à aujourd'hui, celui-là que tu as porté te soutienne, et décevoir tous ceux qui se sont battus pour toi hier, qui ont crié ta gloire, qui t'ont amené loin. Parce que être une star, si tu n'as pas les fans, si tu n'as pas les gens qui te soutiennent, tu ne peux pas être star. Et nous tous, nous connaissons comment ça se passe ici en Europe. En tant qu'un noir, si on ne te soutient pas, même si tu es fort, comment on ne va pas te reconnaître? Même si tu es fort, comment on ne va pas te reconnaître? Donc les Camerounais et les Africains t'ont soutenu jusqu'à t'amener là-bas en haut. Mais qu'est-ce que tu en as fait avec les Camerounais? Tu as cherché ton propre intérêt. Mais tout ce que tu fais au Cameroun, c'est pour ton propre intérêt. Ce n'est pas pour tous ces gens limités. Ces gens limités-là qui te soutiennent. Ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour eux. Dans la gloire que Dieu t'a donnée hier, tu as utilisé ça pour soutenir des mauvaises personnes, des gens qui détruisent l'avenir des milliers de Camerounais. Tu as utilisé cette gloire, cette force que Dieu t'a confiée. Tu as utilisé ça plutôt pour soutenir. Tu as utilisé ça à la faveur de ceux qui détruisent les milliers de gens. Jusque pour ta gloire et faire avancer ces gens. On se rappelle de ta fameuse discours que celui-là est ton père, si tu le remercies à cause de lui que tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui, les gens doivent aller le voter et toutes ces choses, le Cameroun est le meilleur pays au monde. Mais attends, je viens de regarder une vidéo là en Côte d'Ivoire, nous pouvons voir, on peut tout reprocher à Ouattara, mais son travail, on ne peut pas reprocher. On ne peut pas rapprocher. Ou bien se reprocher, ou bien se rapprocher. On ne peut pas le faire. Parce que nous voyons ce que Ouattara a fait dans quelques années dans son pays. Mais tu as quelqu'un qui était là depuis que tu es encore enfant. Avant que tu sois même né, tu étais là. Tu as grandi jusqu'à aller en Europe, en France, en Espagne. Tu connais la différence, quand même, entre les autres pays d'où tu as vécu. Tu connais la différence entre ces pays-là. Tu connais les opportunités. Tu connais les avantages. Tu connais les lois. Tu connais donc comment le gouvernement fonctionne. Tu connais donc comment un président fonctionne. Tu le connais. Parce que tu as été là-bas. La majorité des gens qui te soutiennent sont les gens qui sont limités parce que depuis qu'ils sont nés, ils sont dans ce gouvernement-là. Ils ne connaissent rien en dehors de ce gouvernement. Tout ce qu'ils connaissent, qu'il faut se lever chaque jour, il faut se battre pour survivre, que c'est normal dans la vie. Alors que, ouais, c'est bien sûr que c'est normal qu'il faut se battre. Mais à ce niveau-là, ce n'est pas normal. À ce niveau, ce n'est pas normal. Au niveau du Cameroun, là, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout ça. Les Camerounais sont des esclaves sur cette terre. Ce sont les gens qui n'en profitent pas. La majorité des Camerounais sont les gens qui n'en profitent pas. Il y a la vie que Dieu les a donnée. Parce qu'il y en a des gens qui ont arraché leur vie. Qui ont arraché leur vie. Tu connais toutes ces choses. Mais tu t'es quand même levé.
Et tu as vendu les milliers de Camerounais qui t'ont soutenu en durant ta carrière et qui te soutenaient jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as jamais eu pitié de ces gens. C'est le karma qui t'arrive là. Bah, c'est son propre fils qui a été bloqué. C'est son propre fils qui est en train de montrer au monde entier que tu n'es pas une bonne personne. Lui-même n'est pas une bonne personne. Lui-même n'est pas une bonne personne. Mais Dieu étudie toujours les mauvaises personnes pour détruire les autres mauvais. Et c'est lui-même, c'est une autre mauvaise personne qu'on va utiliser demain pour le détruire. Dieu ne salit pas la main des gens qui sont propres. Dieu ne salit pas les mains. Dieu étudie toujours les mauvaises personnes pour détruire les autres. Donc, Dieu étudie les mains sales pour détruire les mains sales. Et chacun a son tour chez le coiffeur. C'est le début de ton karma. C'est le début de ton karma. Il y a les Camerounais qui ne vont pas le voir. Mais ça, c'était pas un petit message. Le président, donc le capitaine de l'équipe nationale française, qui est de l'origine camerounaise, arrive au Cameroun. 4 fois ballon d'or camerounais, africaine, qui est aussi camerounais, qui est aujourd'hui même président de la FECAFOOT du Cameroun. Et au Cameroun, on parle de football là. On parle de football là. Comment se fait-il que on ne voit pas Etofis avec Mbappé, qui est au Cameroun, même dans la même ville, Douala, qui vient presque même des mêmes régions? On ne le voit pas avec Mbappé. Ça veut dire que le karma est en train de déjà, le karma est en train de suivre Etofis. Et si le karma le suit, ça veut dire qu'il en a posé de très mauvais actes. Ça veut dire qu'il avait posé les très mauvais actes. Les mauvais actes. Ça veut dire que Etofis avait posé les mauvais actes. C'est tout. C'est ce que ça veut dire. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas vous, les Africains, qui ont les cervelles limitées là. Ce n'est pas vous qui décide. Ce n'est pas vous, les Africains, qui sont aveugles. Parce que vous êtes aveugles. Most of you are blind. Your reasoning faculty is too low. Mais Dieu, quand Dieu veut frapper, l'homme ne peut pas l'arrêter. Vous pouvez tout faire. Mais quand Dieu veut réagir, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Je ne condamne pas Etofis, mais je dis tout juste, il en a posé les mauvais actes et c'est le début de son karma. Tous les actes qu'il avait posés, le temps, petit à petit, il va les répondre. En passant, les mêmes gens qu'il a soutenus hier, c'est les mêmes gens que Dieu va utiliser pour le faire répondre. Les mêmes gens qui sont en train de détruire le Cameroun aujourd'hui, c'est entre eux-là qu'ils vont se justifier, qu'ils vont se juger. Ça serait toujours entre eux qu'ils vont se détruire. Aujourd'hui, c'est le fils qui est en train de détruire, de vouloir ouvrir les fesses de ton fils, de vouloir le soumettre ou quoi, aux yeux du monde entier. Demain, entre eux, Dieu va toujours utiliser une autre personne pour faire la même chose à son fils. C'est ainsi que le monde va fonctionner.
Merci.